Eh bien le bonjour les amis, c'est Aplo, j'espère que vous pétez la forme. Écoutez, moi ça va très très bien, je vous remercie. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite, sur le mode sauver le monde bien sûr. Et aujourd'hui on va se faire une vidéo à la cool, une vidéo détente, on va se faire un petit opening. Alors rien d'exceptionnel mais c'est quand même cool parce que voilà, c'est les lamas de super production. Donc j'ai engrangé un petit peu, voilà, quelques tickets, on va pouvoir en ouvrir 10. Comme ça on va voir un petit peu, est-ce qu'ils sont vraiment rentables ces lamas, qu'est-ce qu'ils valent, est-ce qu'il y a du légendaire dedans, oui ou non, combien on va en avoir surtout, du héros ou alors des armes. Écoutez, n'hésitez pas à me donner votre avis ou alors votre expérience personnelle dans les commentaires, de me dire si vous avez eu des très belles choses dans les lamas de super production ou non. Et puis bon, on va se faire ça tranquillou, on va s'ouvrir les 10 d'un coup, comme ça on va vraiment pouvoir se rendre compte dans la foulée de ce qu'il y a dedans. Allez, c'est parti, vous êtes sûr, au moins une arme, machin, oui monsieur, épique c'est le minimum s'il te plaît, d'accord? Allez, on y va. On y va, j'appelle le grand lama, le grand Manitou du lama. Allez, premier lama, c'est parti les copains. Bon, on va passer un petit peu tout ça, hein. D'accord. Ok, le rare arrive. Ça fait c'est de la chair à pâté, j'appelle ça moi. J'utilise pour les transformations, tout ça. Je transforme les bleus en violets et les bleus et les violets, je les utilise aussi derrière pour quelques légendaires. On va commencer par ça. Allez, no big deal pour l'instant. Voilà, alors déjà, premier lama, rien de légendaire. Allez, on y va pour le deuxième. Allez, voilà, je profite un petit peu de cette vidéo pour faire un petit coucou à Virtuose et Risky et à tous les autres youtubeurs qui font du Fortnite sauver le monde. Et je vous dis ça, justement, pas innocemment, mais par rapport à la vidéo que Risky vient de sortir. Alors là, vous avez vu, j'ai vraiment eu de la merde, hein, c'est hallucinant. La vidéo que Risky vient de sortir, justement, où il dit, voilà, arrêtez de chercher à faire des histoires entre les youtubeurs. Voilà, c'est comme dans la vie, en fait, si vous voulez, des fois, on a des affinités avec les gens. Voilà, tout simplement. On peut pas tous être copains, mais par contre, on peut tous se respecter, donc ça c'est quand même super important. Donc gros bisous Virtuose, gros bisous Risky, gros bisous Teal, Ryu, tout le monde, tous ceux que je connais ou que je connais pas d'ailleurs, Kadox & Co. Voilà, tout va bien les gars, tout le monde s'aime, on est là pour faire du jeu vidéo. Le chuchoteur, j'ai déjà... Cubiter. On est là pour vous proposer du contenu sur un jeu vidéo, on est sur YouTube. Moi personnellement, vous le savez, YouTube c'est pas ma vie, j'ai un travail, donc voilà. Ça sert à rien de se prendre la tête. La YouTube monnaie, quand il y en a, c'est cool. Quand il n'y en a pas, c'est pas grave. C'est pas le but non plus. Alors, bon, pour l'instant, on est à combien? On est à pas grand-chose en légendaire. Voilà, encore le chuchoteur. Bon, on s'en fiche, le spec, j'ai déjà. Tout ça, ça va partir en chair à transformation. Ah, encore du épique. Non, mais sérieusement. Quel est l'intérêt? Allez. Nox, très bien par contre, Nox. Ah, alors Nox je l'avais pas. En épique c'est pas grave, je vais pouvoir le transformer après. Nox c'est cool, je le voulais, ça tombe bien. Donc là c'est une bonne chose, même si évidemment il est en épique, j'aurais préféré l'avoir en légendaire direct. J'aurais économisé ce qu'il faut, tout le matériel hein, qu'il faut pour le EP. Les trucs de transformation légendaire qui coûtent quand même une blinde. Allez, un soldat rare, vas-y. Du légendaire, pardon, je suis allé un peu vite. Ok, il y a Penny. De toute façon, on va avoir le récap à la fin. C'est un peu le but de cette vidéo là, c'est de se voir sur 10 lamas de super prod. Donc de l'event qui court actuellement. Donc on attend en plus la dernière partie, partie 4. Je vous rappelle que Fortnite Sauver le Monde, alors, encore pas légendaire, est sorti le 25 juillet 2017, d'accord. On est aujourd'hui exactement le 20 juin, donc autant vous dire que, voilà, dans un mois, Fortnite a un an. Donc je pense que ça va coller avec la fin de cet événement Super Production. Qu'est-ce qu'il va y avoir dedans? Qu'est-ce qu'il va y avoir après surtout? Est-ce que le jeu va devenir gratuit enfin? Et enfin voilà, ils ont franchement intérêt à prévoir leur coût. Parce que là on a encore eu sur la mage la 4.4.x, je ne sais plus combien d'améliorations qu'on a eu. Juste un reskin d'un constructeur. C'est cool mais c'est dommage, voilà, les skins, c'est comme je dis, les skins on devrait pouvoir les acheter à part et moins cher, pas racheter un héros complet et devoir le repex, etc. Ah, du légendaire les copains, allons-y, attention.
Ok, le pigargue j'ai déjà, le chuchoteur j'ai déjà, qu'est-ce que je fais? Je préfère le pigargue, je vais le prendre, on verra. De toute façon, si les affixes sont mieux dès le départ, ça me coûtera moins cher le jour où je vais vouloir le EP. Parce que j'ai très envie de jouer aventurier avec un bon pistolet ces derniers jours. Allez, le dernier, ah non, l'avant-dernier, pardon. On va passer sur le rare, hein, encore une fois. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Alors, de l'épique, ouais. Edge Lotus Trancheur. Who the fuck is this? Comme ils disent les ricains. Non, c'est là, je crois que je l'ai déjà en plus. Et le dernier lama. Allez. La grande prêtresse du lama. La grande lamatresse. Fais-moi du bon lait, crache-moi dessus. Mais fais-moi quelque chose de bien. Voilà, vous me donnez des clés vertes. Ou des snipers bleus. Allez, un petit survivant, les gens, que dalle. Bon, ok, on va voir la récap. Ah, il me fait aucune récap, d'accord. Ah si, ouais, il me récap tout ça comme ça, ok. Donc on a là une arme légendaire. Un héros légendaire. Une deuxième arme légendaire. Et c'est tout, voilà. C'est tout, les gars, c'est tout. Sur 10 lamas super production, on a eu un héros légendaire et deux armes légendaires. Donc franchement... C'est pas ouf ouf ouf, hein. Voilà, on s'attendait un petit peu à mieux quand même sur le coup, parce que voilà, j'ai ouvert un lama à butin de troll légendaire, c'était il y a un ou deux jours, j'avais enregistré juste l'opening, j'en avais qu'un, parce que vous voyez en haut à droite, j'ai plus assez de V-Bucks, j'ai tout claqué, et c'était franchement pas ouf, donc je vous le mets même pas dans cette vidéo, parce que de toute façon, j'avais eu quoi, deux armes légendaires, voilà, pour rien vous cacher, regardez, on va regarder ma section de survivants vite fait à la fin de cet opening, voilà, là on a j'ai un leader mythique, voilà, qui est ici, bon j'ai quelques légendaires quand même, mais c'est vraiment pas Nawak quoi, et regardez, voilà. J'ai un seul survivant mythique. Et j'en ai ouvert quelques-uns des lamas. Hein. J'ai déjà fait des openings sur ma chaîne, vous les avez vus. C'est pas le premier. J'en ai ouvert plein comme ça, de temps en temps, en jouant le soir avec les copains. Voilà. Et j'ai eu un seul survivant mythique. Bon, leader, c'est déjà bien, mais un seul. Voilà. Bon, écoutez les copains, cette vidéo se termine, pas cette terminéo. Et je vous dis à très très bientôt. En tout cas, merci à tous pour de me suivre, à ceux qui mettent des commentaires sympathiques. Moi, ça me fait toujours plaisir. Et je vous dis à très très bientôt pour d'autres vidéos sur Sauver le Monde. Et bientôt, la reprise des lives. D'ailleurs, on est jeudi. Demain jeudi, pardon. Donc, possiblement demain soir après le match. Bah ouais, il y a match, les gars. Demain soir à 22h après le match, on se fait un petit live ensemble. On va discuter un peu de tout ça. Allez, bisous, ciao.